Let's go. Pas mal le jet, tu l'as gardé. Oui, je l'ai toujours sur Illy, à l'heure actuelle. Je ne sais pas quoi en foutre, puisque c'est invendable. Et on me demande tout le temps de briser le PA dessus. Du coup, pour qu'on arrête de me faire chier avec cette histoire, j'ai dit je brise le PA à 700 subs. Comme ça, on me fait pas chier. T'as toujours pas vendu ton bonnet. Double kill. Sur Illy, je l'ai pas... Quoi ? Quoi ? Mais ça arrive qu'à moi, ça, en fait. Il manquerait plus qu'on en passe un troisième, en fait. Ça n'arrive qu'à moi, c'est... Je sais pas quoi dire, en fait. C'est... Une chance sur 10 000, tu passes bien 10 000 runes par mois. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un script, c'est un cheat, le bordel. Bon. Bah, écoutez, Je ne sais pas quoi vous dire. Comment c'est possible? Mais c'est juste pas possible! Mais c'est juste pas possible! Non mais gros, c'est chaud là! C'est quoi ce bordel? Je sais pas quoi vous dire. Mec, si... J'ai peur de continuer, en fait. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, en fait. On passe un pour voir. Juste pour voir. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Ça n'a absolument aucun sens. J'ai jamais vu ça. C'est bon, je suis à peu près remis de mes émotions. Je vais donc entamer les brisages. Incroyable. C'est juste incroyable, en fait. C'est juste impossible. Il me faudra des doqueries. Je vais aller les prendre tout de suite. IRL, il va m'arriver un sale truc, en fait. C'est obligé. C'est sûr. On peut voir tes camas sur Jage, du coup. Bon, le PA qui saute. On a 91. On va faire ça. Une petite passa. Une petite pado. On a encore 71. Je vais over tout de suite la vitalité. Voilà. En plus, ça passe très bien. On la redescend. On a encore 61. Maintenant, l'agilité. Parfait. On a toujours 51. Je vais monter les résistances. Les résistances. Très bien. 39, c'est parti. 5, 10, non, toujours 5. Moins 7. On a 27. Je vais mettre ça à 14 déjà. 2, 4, 6. On a 21. Il faut passer la padopou. Ça me fait chier, mais on va le faire. La petite padopou, mes amis. Alors, on y croit, on y croit. Nice! On a encore 6 depuis. Merci pour le follow. Je vais mettre les résistances fixes. 2. Ah, dommage. 4, 6. Ah, dommage. On aurait pu faire un... On avait un bon petit jet, là. Bon, c'est toujours propre, mais... Dommage. On va donc se refaire une boucle d'oreille de Kangoku. Aïe. Aïe. La Raini, c'est un mauvais col. Hein. Très mauvais col. Alors, le PA qui pète sur une résistance R. Et on a un peu de puits au-dessus. On a donc 96 au total. 96, c'est parti. On y va. On commence par un bon petit crit. 78, je vais monter la puissance à 30. Aïe, il m'a fallu 2 puissances. 66, maintenant la ravie. Parfait, on a encore 56. On va descendre ça avec une initiative. Moins 6, c'est parfait. Les critiques, par contre j'ai plus beaucoup de puits. Si ça crit pas, je suis dans la merde. Bon, ça pas crit.
Mais c'est passé. Donc il me reste 36 depuis. On va donc mettre les repères. 6 et 6, 12. Toujours 12. Toujours 12. Ok, pas mal. On a encore 24. Là, pour le coup, c'est pas mal. On va monter le tacle. 4 et 4, 8. On a 16. Il nous faudrait dans l'idéal une passa, une paini et le retrait PM. Le retrait, je vais monter à 6. Avec un peu de chance, il va crit. Dommage, on a encore 9. Ini ou passa, ini ou passa. Tentons la passa en crit. Tentons la passa en crit. Parfait. Donc on a toujours 9. On va donc mettre l'initiative. On va laisser tomber le retrait au profit de l'ini. L'ini est plus importante. Nickel. Du coup, on a 6 depuis. Mais en fait, il me manque un depuis pour mettre le retrait PM. Et ça, ça m'emmerde. Mais du coup, ce sera une repère. Hein. Ce sera une repère neutre, R. On va mettre une terre, je pense. Une terre ou une eau là-dessus. Je vais mettre une terre. T'as un puits au-dessus du pH. Je l'ai compté déjà. Je préfère tenter la repère en vrai. Vu qu'il n'y a pas de transcendance sur le serveur, comme personne ne fait de songe. Go pépé, on s'en bat les couilles de la prospect. Et je vais mettre la petite signature, au cas où. Dommage, bon. C'est pas mal, c'est plutôt bien réussi. Un brisage réussi, on va le ranger. GG à tous. On va se faire le dernier, qui n'était autre que la corne de Torquilonia, mesdames et messieurs. La corne, c'est un peu chaud à réaliser. C'est pas super dur, mais c'est un peu chaud quand même. Et dans le cas d'un jet parfait, ça peut coûter cher. Sur Tempo, je sais pas, mais sur un serveur classique, ça peut aller assez haut. Bien, le jet commence déjà à se détériorer. Ce serait pas mal que... Putain. Bon, ça va être très chaud. Il faut qu'on crit. Si on ne crit pas, on n'aura pas assez. J'espère qu'on va crit. Donc, il y en a déjà eu quelques crits ici. On a un peu de pi au-dessus du PA ou pas? Non, on n'a pas de pi au-dessus du PA. Donc, on part de 100 moins 10 moins 6 moins 6. On a encore 78. Bon, 78. Maintenant que les repères sont montés, je vais passer au critique, je pense. Ouais, je vais passer au critique. Ok. Bon, pas de crit. Ça me fait chier. Ça me fait bien chier. Bon, 58 de pi encore. Allez. Bon, 48. On va passer à la Vita. Attends, il y a encore la force et tout. À monter, ça va être la misère. 3, 6, 9, 19, 19, 29, 39. Et oui, on n'a plus de puits. Puisqu'on est passé à 49, on avait 48 de puits. Brisage raté. Mais il nous manquait beaucoup de trucs à passer encore. On avait quoi? On avait 12 ici de puits à passer, 10 de puits ici et 10 ici. On était bien loin. On était bien bien loin de du G parfait. Ce sera donc une PA. Voilà, pour lui casser la tronche. Ça, ce sera un des pires. On va essayer de le faire. Je joue que sur un serveur parce que j'en ai un sentiment de progression. Ah, ça y est. On a une très bonne puissance. On a juste la sagesse qui est dégueulasse, mais si on passe une Rasa en crit, il y a moyen de faire du lourd. Allez, c'est parti. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Il faudra évidemment compter sur un crit Rasa après le puits, mais ça peut être du très très lourd. Donc pour la peine, je vais le signer. Voilà. Bien. On a encore 80 de puits. Ok. Ok, 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 ok. Ok, je vais monter. Je vais mettre une pavie tout de suite, là. Pavie tout de suite. Nickel, voilà. Au moins, elle est passée vite. Quel coup de chance. Alors, 77 de puits. J'espère vraiment que la Rasa va crit. Hein. Si elle crit, on a vraiment un truc lourd. Je vais mettre les repères à 10 tout de suite. 6 et 6, 12. Et toujours 12. Putain, mais c'est quoi ce brisage? 65 de puits. Je vais mettre ça à 19 déjà. Pour faire un 25. Voilà, 59 de puits, je vais mettre ça à 14. Ok, 49, 49, 49, allez, il n'y a plus qu'à maxer déjà les dommages. Allez, s'il te plaît, 5, 10, qu'on réalise un truc beau. 15,
20, non, sérieux. 25, allez. 30. On a encore 19. En espérant que la race s'incrite à la fin. Ok, on a encore 14. Allez, une par écrit. Nickel. 6. Est-ce que je monte la fuite ou les par écrits? Les par écrits, c'est plus important. Bah ok, il me reste 2 depuis. Bah je vais mettre le de 22 à 23, hein, sait-on jamais. Hein. Voilà. Et maintenant, nous pouvons passer à la Rasa. Là honnêtement, on a un jet qui est extrêmement lourd. Il n'y a plus qu'à crit la Rasa. C'était le seul moyen de faire un gros jet de toute façon. Donc il n'y a plus qu'à prier. Et si elle crit, je pense qu'on pourra dire qu'on a le plus beau masque de l'esprit salvateur du jeu. C'est sûr. C'est même sûr. Team Rasa les amis. Aïe. La team Rasa semble être fatiguée, mes amis. On va donc lui remettre un PA. Voilà. Sur Illy, j'aurais pas tenté la Rasa, hein. Je l'aurais vendu tel quel.